Bien, messieurs, dames, modératrices, mes chers collègues. Donc, oui, le porc est ce qu'on appelle un gros animal de laboratoire, comme le chien ou la brebis. Et ces gros animaux de laboratoire ont quasiment disparu des unités de recherche au profit des rongeurs, qui sont évidemment de manipulation bien plus facile et bien plus commode. Pourtant, c'est sur le gros animal qui a été mise au point la transplantation d'une manière générale, la transplantation d'organes. Donc, et vous n'êtes pas sans savoir que les techniques de suture vasculaire et les premières greffes ont été réalisées par Mathieu Jaboulet, Alexis Carrel à Lyon, et que c'est grâce à eux et aux modèles qu'ils avaient développés sur les brebis et sur les chiens que l'on réalise des transplantations aujourd'hui. La première transplantation hépatique a été réalisée sur un gros animal. Elle a été réalisée par Stuart Welch en 1954 exactement, réalisée chez le chien. Il s'agissait d'une greffe en situation hétérotopique et cette greffe va marcher. Elle va marcher suffisamment bien pour donner envie à tous ceux qui pensaient que c'était impossible, dont un de ses élèves, un certain Thomas Starzl, qui va, vous le savez, développer les plus gros programmes mondiaux de transplantation hépatique. Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'en 1963, quand Thomas Starzl faisait sa première greffe de foie chez un enfant de 5 ans, il avait déjà derrière lui plusieurs centaines de transplantations hépatiques orthotopiques chez le chien. Il a donc la transplantation hépatique est née au laboratoire sur le gros animal. En Europe, c'est le porc qu'on utilise, pas le chien. C'est le porc qu'on utilise avec trois grands noms. Roy Kahn qui va faire la première greffe de foie en Europe. Terre Blanche qui va faire la sienne au Cap après s'être entraîné en Angleterre. Et en France, à Paris, l'équipe de Henri Garnier, la Pitié-Salpêtrière, s'entraîne longtemps au laboratoire et publie dans les comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences les techniques de transplantation hépatique chez le porc avant de faire sa greffe. Si l'on met à part celle de Demirlot à Saint-Antoine en 64, il fait sa greffe en 1968 avec Philippe Claux. Ce ne sera pas un succès, en tout cas pas au long cours, mais les bases sont posées grâce à un gros entraînement au laboratoire et en particulier sur le porc. Et puis, tout ceci va tomber un peu en désuétude. Il n'y a plus beaucoup de travail sur le porc qui est fait au fur et à mesure des années. Vous voyez qu'entre 55 et 21, finalement, au tout début, il y en a quelques-unes. Ça va intéresser un peu dans les années 60. Ça va revenir un petit peu dans les années 90, mais ça ne monte jamais très haut. Les publications sont assez parcimonieuse, il y a au maximum 40 papiers qui rapportent des transplantations qui utilisent le modèle porcin et ces transplantations ne sont en réalité que des modèles de xénotransplantation où on prélève le foie de porc pour aller l'implanter sur un singe. On n'est pas véritablement dans le modèle porc comme modèle de transplantation hépatique. Alors, venons-en au point pratique. Qu'est-ce qu'on entend par porc comme modèle de transplantation hépatique? Sûrement pas ce qu'on appelle le porc miniature, qui tend à remplacer les chats et les chiens dans nos maisons. Il y en a de plus en plus. J'en ai vu un une fois dans la rue. Ça fait tout drôle. Il était tenu en laisse. Je pense que nous ne serons pas autorisés à toucher à ces petits animaux qui, pourtant, peuvent aller jusqu'à 30 kilos et donc font très envie aux chirurgiens qui veulent s'entraîner. On pense plutôt aux mini-porcs ou aux porcs nains. C'est le porc de race Yucatan qui est un porc mini-porc vietnamien qui va jusqu'à 40 kilos, qui est à l'âge adulte, hein, bien sûr, qui est très facile à utiliser, qui représente un bon terrain d'exercice pour la transplantation hépatique et de recherche, évidemment. Malheureusement, il est extrêmement cher et vient à bout de tous les budgets de recherche. Donc, on préfère aujourd'hui très largement, dans la majorité des centres qui pratiquent la transplantation hépatique chez le porc, utiliser le porc dit domestique, le porc fermier, qui est un doux mélange dans l'immense majorité des cas de trois grandes lignées qu'on retrouve en Europe, le Large White, le Landrace et le Piétrain. Ces animaux qu'on utilise tous les jours, ou au laboratoire en tout cas, sont des mélanges. Il est bien difficile aujourd'hui de trouver des races pures qui seraient pourtant bien utiles lorsqu'on fait des travaux de recherche en immunologie.
Alors pourquoi c'est un très bon, et je vais défendre le porc là aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est un bon animal d'expérimentation? D'abord parce que c'est gros et qu'on n'est pas obligé de faire de la microchirurgie, donc qui est d'acquisition difficile hein, avant d'avoir un modèle stable comme ça dans le temps. Ben, d'abord parce qu'on a une physiologie qui est parfaitement référencée. Ce sont moins les vétérinaires que les agriculteurs qui s'en servent, mais on trouve tout sur le porc. Et pour nous qui faisons de la transplantation hépatique chez cet animal, on a des abacs avec des références biologiques normales, et ça c'est très pratique. Entre parenthèses, le porc, ça a un pouls rapide, ça a une tension artérielle basse et ça a une température normale à 38. Donc ceux qui font de cette chirurgie expérimentale, ne vous étonnez pas d'avoir des températures élevées. Les porcs ne font plus d'hyperthermie maligne depuis qu'ils sont sélectionnés à la naissance. Grâce à des inhalations d'halothane, on arrive comme ça à les faire disparaître des élevages. Le foie de porc a une anatomie sectorielle très didactique et qui ressemble beaucoup à celle d'un foie humain. Chez le foie humain, les secteurs sont soudés les uns aux autres et difficiles à repérer, alors que chez le... J'ai ma petite souris là, oui. Ouais, ça va. Donc c'est ça. Alors que chez le porc, vous avez très bien les quatre secteurs, donc latéral, antérieur gauche, antérieur droit et postérieur droit. Chacun alimenté par un pédicule parfaitement visible. Vous avez ici un foie sur sa face dorsale dans une cupule prêt à être implantée. On voit très bien les pédicules à l'origine des quatre secteurs. Et puis la particularité chez le porc, c'est qu'il n'y a pas ces grands mouvements de la racine du mésentère qui créent l'arrière-cavité des épiplombs chez l'homme. Et donc, on a une espèce de tronc cœliaque qui se poursuit par une arcade pancréatico-gastrique, mais dont on voit très bien venir chacune des artères destinées à chacun des secteurs du foie. Donc, c'est un organe qui se prête bien, finalement, à la dissection anatomique. La particularité du foie de porc, et en particulier dans le champ de la transplantation hépatique, c'est qu'il a une veine cave très particulière. Très particulière. D'abord, au-dessus du foie, elle est dans son segment intrapéritonal extrêmement courte, ce qui peut rendre difficile la réimplantation et la suture, et un segment intrathoracique, toujours celui de la veine cave inférieure jusqu'à l'oreillette droite, très long, heureusement, mais ce qui impose en tout cas, quand on prélève un foie, d'aller prendre une collerette diaphragmatique, comme c'est montré ici. Mais ce qui fait surtout la grosse particularité et je dirais la grosse difficulté de la transplantation hépatique sur ce modèle, c'est le fait que la veine cave est intra-parenchymateuse. On ne peut pas la désolidariser du foie. Vous la voyez pénétrer ici dans le parenchyme hépatique. Et bien ça veut dire ça tout simplement que quand on prélève un greffon, ou surtout quand on veut greffer un animal, il faut d'abord lui enlever son foie natif pour se mettre en situation orthotopique. Et quand on enlève le foie natif, on est obligé d'enlever la veine cave inférieure. Alors vous allez me dire, et alors ? Et alors, c'est qu'en enlevant la veine cave inférieure, on se prive évidemment du retour veineux au cœur et on ne peut pas réaliser la fameuse anastomose porto-cave qui empêcherait la stase splanchnique. Or, chez un porc, le sang splanchnique et les 25 mètres de grêle et le sang cave qui est chargé de ramener au cœur tout le sang issu des grosses cuisses, des jambons, représente les deux tiers de la masse volumique du porc. Et si vous arrêtez la veine cave et la veine porte, eh bien vous avez supprimé le retour au cœur des deux tiers de la masse sanguine et votre animal, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ne supporte plus et meurt. C'est pour cela qu'il faut utiliser, pendant la phase anhépatique, une circulation extracorporelle. Alors quand on a de l'argent, qu'on est riche, comme dans le laboratoire de Pierre-Alain Clavien à Zurich, on utilise une CEC exactement à l'identique de celle qu'on utilise chez l'homme, avec des pompes occlusives ou non occlusives. Nous, on est un petit peu plus pauvres et on utilise des chintes comme ceux que Kalln avait décrits dans les années 60, un simple tuyau entre la veine porte et la veine jugulaire gauche, cathéter que l'on fait aller jusque dans l'oreillette. Ça, c'est l'astuce, ceux qui ne le savent pas, pour profiter de l'effet pompe de l'oreillette et maintenir la circulation dans ce chinte. Et ça marche très bien, ça donne tout le temps. Enfin, tout le temps, pas tout à fait, parce qu'il faut quand même aller très vite pour faire l'anastomose porte et l'anastomose cave. Et comme on n'arrivait pas à le faire très vite et que les animaux mouraient, on a mis au point avec Maxime Audet dans les années 2000, fin 90, on a appliqué au porc la technique des keufs qu'on appliquait déjà chez le rat et chez la souris. Donc ces espèces de téflons autour desquels on ourle
la veine porte du receveur pour aller implanter la veine porte du greffon. Ça va très vite, il faut à peine 5 minutes pour faire rétablir la continuité porte et rétablir la continuité cave. Vient ensuite une anastomose artérielle, une anastomose biliaire dont je ne dirai rien parce qu'elles sont extrêmement simples, mis à part le fait qu'elles méritent d'être faites avec des loupes et avec du petit fil, c'est de la microchirurgie. Alors jusque-là, tout va bien, sauf que on ne peut pas faire ça n'importe où. La transplantation hépatique sur le porc ne peut se faire que dans un environnement expert. Et aujourd'hui, expert dans la prise en charge des animaux en post-opératoire, à moins que vous les sacrifiez immédiatement après la transplantation alors qu'ils ne sont pas réveillés, ce qui limite considérablement le champ d'application de ce très beau modèle. Donc il faut les garder longtemps, et pour les garder longtemps, cela ne peut se faire aujourd'hui en France que dans des structures expertes, et je pense en particulier aux INRA, Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, pour l'Alimentation et l'Environnement. Si vous n'avez pas ces structures, mieux vaut ne pas vous lancer avec ce modèle-là dans l'expérimentation en transplantation hépatique, ne serait-ce que parce que le poids en post-opératoire de vos animaux va monter très vite. Très vite, en 4 semaines, il a pratiquement doublé, on part de 40 kg au départ, on est à 80 kg. Et puis il va falloir des pièces entières pour stocker les aliments, parce qu'entre J1 et J28, on est déjà à 200-250 kg de nourriture. Ces animaux sont extrêmement gloutons. Donc vous voyez, ne serait-ce que pour ça, on ne peut pas faire ça dans les belles unités INSERM. Mais en particulier, je pense, quand je dis ça, à l'IRSET, magnifique bâtiment que je n'irai pas polluer avec les greffes de porc. Alors, un modèle pour répondre à quelles questions ? Mise au point technique, je vous ai expliqué là, tolérance immunologique du greffon, suppléance hépatique, conservation du greffon hépatique, validation de nouveaux dispositifs thérapeutiques annexes. Je vais passer chacun de ces chapitres en revue très rapidement. Étude du rejet et de son contrôle. C'est, pour tout vous dire, ce n'est pas un bon modèle. Ce n'est pas un bon modèle, bien que le complexe HLA, SLA, swine, leucocyte antigène, soit bien caractérisé. Il est situé sur le chromosome 7, on l'a parfaitement identifié, on l'a parfaitement décodé, on sait exactement qui fait quoi, à quoi ça correspond. Le problème, c'est que ces animaux sont étonnamment, spontanément tolérants. Vous faites une greffe de foie chez le porc, comme l'avait décrit très bien Terre Blanche dans ses premières expérimentations, on voit les enzymes monter au début, tout se normalise et vers le 7e jour, ça remonte, il y a un rejet, on est tenté de traiter, on se dit que l'animal va mourir, la bilirubine monte, eh bien pas du tout. Spontanément, tout se corrige. Et puis, vers le 10e, 12e jour, la biologie commence à se normaliser et le greffon est spontanément toléré. Ça ne survient pas tout le temps, mais ça survient suffisamment fréquemment pour polluer toute expérimentation qui viserait à tester un immunosuppresseur, à moins que vous vous procuriez des races pures au départ et très différentes. Vous ne stabiliserez pas votre modèle pour faire une étude sur les immunosuppresseurs. Deuxième champ d'investigation, l'étude de la suppléance hépatique, et en particulier au cours de l'insuffisance hépatique aiguë grave. Pendant longtemps, on a essayé de mettre au point un modèle d'insuffisance hépatique aiguë grave, d'hépatite fulminante. Chez le porc, on n'y est pas arrivé. Je me souviens d'avoir fait manger des kilos d'amanite phalloïde à des porcs pour essayer de les mettre en hépatite fulminante sans aucun succès. Les porcs adorent ça et ils se portent très bien après. Jusqu'à ce qu'une équipe japonaise décrive un modèle qui marche à tous les coups. Donc sachez que ça existe, mais il va falloir injecter l'alpha-amanitine que vous pouvez très bien vous procurer en poudre, en pot de 100 grammes, chez Sigma Aldrich. Donc votre amanitine, vous la mettez dans une seringue et vous l'injectez directement dans la veine porte et vous y associez une injection d'endotoxine qui se vend aussi en pot. Et là, vous déclenchez une hépatite fulminante qui tue à tous les coups. Et c'est grâce à ce modèle qui a été mis au point, qui a été décrite dans des conditions expérimentales, l'efficacité de la transplantation hépatique auxiliaire et la réversibilité de la nécrose hépatique induite par l'amanite phalloïde, enfin l'amanitine, son composant le plus toxique. On peut utiliser aussi le modèle transplantation pour étudier la conservation d'organes. C'est ce qu'il y a de plus facile, de plus courant. Il y a pas mal de littérature sur le sujet, mais toujours une dizaine de publications par an. Hein. Ça ne court pas les rues, parce que vous avez bien compris que c'est un gros modèle. C'est un modèle difficile qui demande du temps, qui demande de l'expertise, qui demande du monde aussi pour gérer tout ça.
Là, par exemple, résumé sur cette planche que nous avons réalisée avec Pierre Alix, qui était un étudiant en M2, pour montrer que quand on mettait de l'hémoglobine marine d'Arenicola marina dans la solution de conservation UW, on améliorait la conservation statique. Et il n'y avait pas mieux que ce modèle porcin pour pouvoir passer à la clinique. On vient de déposer un PHRC, on passe enfin à la clinique. On n'aurait jamais pu le faire si nous n'avions pas montré l'efficacité, non pas sur le rat ou sur la souris, mais sur le porc, sur le gros animal. Et en matière de conservation d'organes, il y a beaucoup d'autres choses que l'on peut faire encore. On peut travailler avant le prélèvement sur le préconditionnement et on peut travailler après la transplantation en utilisant des substances anti-apoptotiques, inhibant la ferroptose, inhibant la nécroptose. C'est ce qu'on va démarrer aussi avec l'équipe de l'IRCET. Donc on va travailler là-dessus sur le modèle porcin. Donc vous voyez, ça intéresse et ce sont des modèles très intéressants. On peut valider avec ce modèle porcin des nouveaux dispositifs thérapeutiques annexes et c'est ouvert pour ceux qui font de la transplantation hépatique récemment le champ des fameuses machines à conserver, des machines de perfusion hypothermique ou des machines de perfusion normothermique. En perfusion hypothermique, on va développer avec l'équipe de Lyon donc un modèle de split non plus in situ ni ex situ, ce qui altère la qualité du greffon, mais pendant la perfusion, ce qui ramène donc la fonction hépatique du greffon ainsi splitté à celle d'un greffon normal, comme ça a été montré récemment dans ce travail expérimental. Mais là où je crois que ça va être passionnant, et on commence déjà à voir apparaître quelques papiers sur le sujet, c'est la conservation en normothermie. Quand je dis conservation, en fait, ce n'est pas tout à fait exact. Cette perfusion en normothermie ne seront pas développées pour temporiser, mais elles vont être développées, à mon sens, pour évaluer la qualité des greffons ou modifier la qualité du greffon. On a de plus en plus de greffons stéatosiques, on a de plus en plus de greffons qui présentent des lésions de stéatohépatite. Est-ce que ces machines vont être utiles pour transformer ce foie et lui donner une consistance et un aspect histologique compatible avec une transplantation? Peut-être, en tout cas ça mérite d'être étudié et le modèle porcin est particulièrement intéressant depuis que l'on sait induire des stéatoses chez l'animal. Alors il suffit pas de les bourrer de maïs et de graisse avant pour leur donner un foie stéatosique, ça ne marche absolument pas. Ce qu'il faut faire, c'est associer au régime hyperlipidique un diabète induit par la streptozotocine. Ça nous rappelle quelque chose en pratique clinique, évidemment. Donc on est capable d'induire des stéatoses et puisqu'on est capable de le faire, on va pouvoir étudier l'impact de la machine en perfusion normothermique sur la réversibilité de ces phénomènes de stéatose. Étudier comment, en combien de temps, ça ouvre des perspectives tout à fait intéressantes. Alors, en conclusion, vous avez compris, c'est un modèle exigeant, mais qui est passionnant parce que vous pouvez reproduire de très nombreuses situations cliniques et je crois qu'aujourd'hui il y a deux domaines de recherche privilégiés. Il y a l'innovation technique, on s'entraîne, on greffe, on fait des splits, on fait des machines et puis l'ischémie-reperfusion qui est un des grands domaines de recherche nouveau de la transplantation hépatique. Mais, il ne suffit pas de dire je vais en faire, ça demande une grosse expertise technique qui garantit la reproductibilité, ça c'est quelque chose de fondamental, comme vous le savez, en recherche expérimentale. C'est un peu de la pédiatrie, parce que les porcs de 40 kg, ils ont 3 mois, 4 mois, voilà. Et puis, vous l'avez compris aussi, l'environnement dans lequel vous ne pouvez faire ça, c'est l'INRA, vous ne pourrez pas faire ça ailleurs que dans des structures très spécialisées qui ont l'habitude de gérer ces animaux. Qui plus est, c'est très réglementé, il faut des autorisations d'opérer sur le gros animal. Je conseille à tous les jeunes qui veulent faire ça d'aller se former à Nantes. L'école vétérinaire de Nantes fait des formations, c'est très vite fait, vous pouvez le faire en un ou deux mois et vous aurez votre diplôme. Donc c'est une chose de toute façon incontournable. Et quand vous aurez vu le nombre de papiers qu'il faut remplir pour avoir l'autorisation du comité d'éthique d'expérimentation sur le gros animal, vous aurez compris que le porc, finalement, est bien un animal précieux. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très convaincante et qui suggère que l'INRA et l'INSERM doivent discuter autour de ce modèle. Absolument. On a le temps pour une question rapide et une réponse aussi rapide. Si bravo possible. Karim, c'est bien normal, tu n'as pas parlé de la partie d'utilisation des, des,
des fois de porcs dans des programmes de xénogreffes. On a entendu parler ça pendant des décennies. Je sais que ce n'est pas ton topo, mais c'est à côté de ton topo. Tu peux nous dire un peu quel est le point de l'art dans le foie de cochon comme donneur? Oui, j'aurais du mal à faire l'état de l'art sur la xénogreffe. Je disais en début de mon topo que finalement on utilisait le greffon porcin pour le mettre chez des chimpanzés. Alors, est-ce que c'est de la xénogreffe chez le chimpanzé ou chez le porc? Je ne sais pas comment il faut voir la chose. En tout cas, ce qu'il y a dans la littérature, c'est qu'aujourd'hui, on travaille à modifier génétiquement les porcs et en particulier à modifier les antigènes membranaires comme le DAF, par exemple, pour les rendre compatibles avec le système immunitaire du receveur. C'est essentiellement là-dessus, aujourd'hui, que l'on travaille. Modifier les structures membranaires qui sont à l'origine du déclenchement du rejet hyper aigu. Et il y a quelques succès tout de même dans la littérature. On est passé de quelques heures à quelques jours, puis à quelques semaines. Là, aujourd'hui, on en est à quelques semaines. Ça n'est pas suffisant pour passer à la clinique, mais ça ouvre bien évidemment des perspectives très intéressantes. Merci Karim pour ce caractère passionné qu'on te connaît et passionnant. Merci.